Sam, tu m'entends? Peut-être plus haut, le long du rivage. Génial, notre caisse de vivres. Ah, c'est... Évidemment. C'est vide. J'y pense, c'est peut-être Sam qui a tout pris. Faut voir le côté positif. Je ne peux plus rien perdre. À part ma vie. Je commence à me parler, c'est... C'est le premier signe de la folie. Ok. Je vais bien. Je... Oh merde. Ça va passer. Ça va passer.
Hernandez. I. Sit Bavismania. Sam. Allez. Où est-ce que t'es? Ça fait une sacrée chute. Par où maintenant?
Tiens, non. Salut. J'aurais pas vu passer un type par hasard. Plutôt grand, maigre et assez bête. Pour chercher un trésor de pirate. Attends, t'essayais de grimper là-haut ? Avec ses bottes ? Je suis sûr que t'as pas besoin de ça. Ouais, ça marche. J'y suis presque. Voilà. Yeah.
Merde. Ça se pourrait bien, ouais. J'ai dû bouger à la lisière des arbres. En même temps, on est en pleine jungle. Ça bouge de partout. Rien de particulier. Bon, laissez tomber, les gars, fausse alerte. Mais restez sur vos gardes. On y va. C'est quoi ? Là-bas ! Près du rocher ! Ugh!
Alors, et maintenant ? Ugh.
C'est quoi ça? Wow, c'est sinistre. On dirait que l'équipage de Burns a eu autant de chance que moi avec ce trésor. J'ai failli te faire sauter le crâne. Sam, tout va bien? Ouais, c'est qu'un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir en vie, petit frère. Allez, viens. On a un trésor à trouver. Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment ça? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Eh ben, pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine? Puisque t'en parles. On fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sorti jusque-là. Bah, on est quand même paumé au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Ok. Bon, écoute-moi. Je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Raif? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver Libertalia. Mais est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme prévu? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais passer cette île au peigne fin, centimètre par centimètre s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi, tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici, je te retiens pas, Nathan. Attends, comment ça tu me retiens pas? Tu te fiches de moi? T'as une idée de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté? Hein? Ça m'a quand même coûté 15 non, longues années ça n'a de rien à voir avec ça! Si, ça a tout à voir avec ça! Quoi? Regarde-moi ça. Tu veux toujours rentrer, petit frère? Allons voir si on trouve autre chose. Sam, là-haut. Allez, j'arrive.
y a personne. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Réparer le toit ne serait pas de trop. Sam, par ici. Ah non, c'est pas par ici. Hé hey Nathan, je crois que j'ai trouvé un passage. Par là. Oh, toute cette poussière. Ramper, c'est un super exercice pour les quadriceps. Ouais, tu l'as dit. Cette caisse me donne une idée. On y va. Attention! Ok, on progresse là. Bordel de merde. Nathan? T'as quelque chose? Ouais, peut-être. Je crois que tu devrais venir voir ça. Une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Laisse-moi profiter de l'instant. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas? Oh, tu parles de celui avec les tours de garde? C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Allez, c'est parti.